Salam à tous, bienvenue sur l'équipe football. Aujourd'hui, nous allons parler du cas Xavi. Venu du fin fond du Moyen-Orient depuis maintenant un an et demi, après avoir succédé à Ronald Koeman, Xavi est aujourd'hui à la tête du FC Barcelone de la Conca. Avant d'aller loin dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Aujourd'hui, nous sommes en milieu de saison. Xavi est premier de la Liga avec 41 points pris sur 48 possibles, avec comme dauphin le Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui est déjà, on va dire, une équipe assez solide, assez bâtie depuis plusieurs mois aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Xavi? Qu'est-ce que Xavi a apporté à ce Barça-là? Qu'est-ce que Xavi a amené d'innovant à cette équipe? Aujourd'hui, pour moi, le seul point déplorable de ce que Xavi a fait dans cette équipe, on va dire, pour moi, c'est Xavi, c'est Busquets, pardon. Le point Busquets, il me dérange. Il dérange tout supporter aimable du FC Barcelone. Xavi a amené une bonne tactique. Il a eu des bons joueurs que Alimeni a ramené cet été. Malheureusement, on a eu le départ de Aubameyang qui était contraint de partir vu la masse salariale, les règles du fair play, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, le Barça n'a pas une bonne équipe, mais le Barça a un bon collectif, on va dire ça comme ça. Avec les blessures de Koundé et de Araújo qui nous a amené une élimination puis un déversement en Europa League. Aujourd'hui, le Barça a une bonne défense avec Balde qui a remplacé Jordi Alba sur le côté gauche et Christensen qui est assez solide après avoir pris quelques années d'expérience à Chelsea aux côtés d'Azpilicueta, Thiago Silva et j'en passe. Aujourd'hui, le Barça a une bonne défense. Au milieu, nous avons des bons joueurs. Nous avons Pedri, nous avons Gavi, nous avons Lyon. Nous avons des bons joueurs qui peuvent assurer l'avenir de notre équipe. Mais qui est le souci de cette équipe-là? Moi, je dirais bien Sergio Busquets. Aujourd'hui, on a un Frankie Lyon qui peut assurer ce rôle de 6, de joueur devant la défense, qui peut relayer, faire monter l'équipe d'un cran par rapport à l'équipe adverse. Mais malheureusement, Xavi compte toujours sur Busquets qui voulait même partir aux dernières informations, mais Xavi veut conserver dans cette équipe-là parce que pour lui, il est indispensable. Hier, au vu du match du Barça contre l'Atlético, après notre victoire 1-0 face à cette équipe de Cholo Simeone, nous avons vu Xavi, en deuxième période, pendant ses changements, garder Sergio Busquets jusqu'à la 88e minute, après avoir fait sortir Gavi et ainsi de suite. Mais pour moi, le milieu du Barça doit être Dion, Pedri, Gavi. Xavi doit arrêter avec ses amitiés de longue date. Il doit nous chasser Busquets, il doit chasser Alba. Quand je dis chasser, ce n'est pas de leur claquer la porte, mais de leur dire à un moment donné, les gars, c'est bon, votre temps est passé. Vous ne pouvez pas faire votre temps et venir faire le temps de vos petits frères, sinon de vos fils. Donc à un moment donné, il va falloir rénover l'équipe. Il va falloir amener de la nouvelle énergie. Il va falloir amener du sang-froid dans cette équipe-là. Nous avons déjà des jeunes joueurs, des très bons jeunes joueurs. Mais pour moi, le seul qu'on peut garder, le seul ancien joueur, on va dire, qu'on peut garder dans cette équipe-là, c'est Ter Stegen. Si on le laisse, on a notre équipe type, quoi. Si on prend l'équipe d'hier, on a Ansu Fati qui est là, qui pivote toujours, mais bon, on espère qu'il retrouvera confiance en lui, qu'il retrouvera sa forme d'avance à sa blessure. Aujourd'hui, Xavi fait du bon travail, à mon avis. Il fait un excellent travail, hormis l'élimination en Ligue des Champions. Et déjà, on doit affronter Manchester United dans la Ligue Europa dans à peu près un mois. J'espère qu'il montrera à Terst, à comment il s'appelle déjà, à Ten Hag, qu'il n'est pas le seul tacticien qui peut révolutionner une équipe après que cette équipe ait été au plus bas niveau. Aujourd'hui, que faire? On ne peut que compter sur Xavi. Alors Xavi, nous comptons sur toi. Nous espérons que tu pourras remettre le Barça sur le plus haut niveau européen. Parce que là, ça fait déjà, on est bientôt à combien, 8-9 ans. Notre dernier titre en Ligue des Champions en 2015 avec la MSN qui était à son prime. Vraiment, les supporters du Barça ont souffert. On a besoin de Xavi, on a besoin de cette équipe, on a besoin de nos jeunes, on a besoin que nos jeunes aient confiance en eux-mêmes et qu'ils aient envie de jouer pour cette équipe-là, pour ce maillot-là. Alors Xavi, on compte sur toi.
Merci la famille d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter. On se prend très bientôt. Allez, ciao.